au prix de 2 euros. Un jeton doré qui va ravir les numismates. Cet objet unique rejoint la liste des 600 plus grands sites touristiques de France. Une belle idée de cadeau souvenir après une visite de Troyes. Les précisions de Nicolas Villiers, le directeur de l'Office de tourisme, au micro de Cyril Tavernet. Alors, il est vrai qu'il en existe maintenant plus de 600 dans les monuments et principaux sites touristiques. Le premier a vu le jour voilà 15 ans au Puy-de-Dôme. Et Troyes fait partie maintenant de cette grande famille puisqu'il existe un grand nombre de collectionneurs. Et nous en sommes aperçus dès le premier jour puisque 432 médailles ont été vendues ne serait-ce qu'en quelques heures sur cette première journée. Ce qu'elle représente, nous avons voulu vraiment l'identifier au patrimoine bâti de la ville et nous avons privilégié le pan de bois et plus particulièrement l'entrée de cette rue Émile Zola qui maintenant est l'emblème de la ville, qui est véritablement la carte d'identité, et c'est quelque chose que nous avons voulu prioriser et mettre en avant.